Amis turfistes, bonjour. Voici les chevaux qui ont retenu notre attention en ce mardi matin 21 mai. From My Heart, sous la selle de Johnny Jarudis, s'est légèrement fait dominer par Governor General qui était lui piloté par Réa Zoulash. Son temps, 13 secondes 75 centièmes, 12.35, 11.98 et 13 secondes 04 centièmes sur environ 800 mètres. Gleesestar, muni d'un nosebend, avait Robbie Buck sur le dos. Il a travaillé sur deux tours de piste. Sa forme s'est encore améliorée et il semble prendre du plaisir dans tout ce qu'il fait. Snappy, sous la conduite de Richard Mullen, a été maintenu sur sa fraîcheur avec un strong canter sur un tour de piste. D'ailleurs, sa condition physique nous a paru en nette amélioration. Hail Atlantis était très beau à voir sous la selle de Derek David. Le coursier de l'établissement Vincent Allette affiche une très bonne condition. Sur cette forme, il reste à suivre de près à sa prochaine participation. Salvador Dalí du Jared Pedro s'est montré très entreprenant. Avec Keegan Latham sur le dos, il a réalisé 13 secondes 92 centièmes, 14.72, 13.66 et 15 secondes 08 centièmes sur environ 800 mètres. Trois barrières trial ont eu lieu en ce mardi matin. Le premier batch comprenait Wonder Kid avec Bardetier en vert, Strakal, David en rouge, Lividus et Mamdi en bleu et Kindomski, Yonki en jaune. Strikal, nouveau de l'écurie Vincent Allette, s'est montré le plus rapide pour conserver le commandement devant Wonder Kid qui se trouvait à son intérieur. Jusqu'aux abords du poteau des 400 mètres, Lividus, qui tirait quelque peu sur le mort, est resté assez proche de ses deux chevaux alors que Kindomski ne s'est jamais fait décrocher. En ligne droite finale, sans forcer, Wonder Kid a conservé l'avantage sur Strikal. Le deuxième batch comprenait Tiger avec la Judge en noir, Sheriff Marshall, David en rouge et Solo Traveler avec Girodis en vert. Prenant un bon départ, ce qui en soit une bonne nouvelle, Solo Traveler semble avoir bien apprécié le port des œillères lors de ce Barrier Trial. Johnny Girodis l'a settle derrière Sheriff Marshall et Tiger, avant de faire montre de son accélération finale pour dominer ses deux adversaires du jour. Tiger semble en progrès alors que ce galop sur l'herbe sera définitivement bénéfique à Sheriff Marshall. Le troisième et dernier batch avait pour participant Blue Load avec David en rouge, Vettel avec Mullen en bleu et In The Frame avec Asie en jaune. Rapide au départ, Vettel s'est montré majestueux face aux deux coursiers de l'écurie Vincent Allette qui semblent être sur la montante et surtout à suivre pour l'avenir.